me suis fait une raison. Je me suis dit, voilà, de temps en temps, je passerai une belle pénalité de 50 mètres, de 60 mètres en fermant les yeux et en mettant tout ce que j'ai. Mais je ne suis pas un buteur dans l'âme. Je n'avais pas ce truc que tu as, toi, c'était un golfeur, quoi. C'était un geste. C'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Oui, c'est il faut aussi être des joueurs d'instinct quand on est à l'ouverture, parce que c'est quelqu'un qui doit s'adapter en dixième de seconde à une situation qui peut changer. Ouais, il faut aussi préserver ça, parce qu'aujourd'hui le rugby est tellement programmé qu'au bout d'un moment on devient plus des robots sur le terrain que des joueurs, que des rugbyman. Et c'est vrai que quand on est 10, on a besoin de respecter ces séquences de jeu, mais en même temps on a besoin aussi de prendre des initiatives, et c'est ces initiatives-là qui nous permettent de sortir un peu du cadre. Ouais, je pense que je l'ai, mais j'ai pas l'impression de. Puis tu peux pas jouer que sur du flair. T'as 14 mecs autour de toi, donc si chacun a fait ça, donc. Mais il y a des situations qui l'imposent. Et je pense que tous les numéros 10 ont un peu de flair, parce que c'est les numéros 10, c'est nous qui gérons le match, c'est nous qui prenons la décision d'attaquer de telle ou telle façon. Donc voilà, on sent peut-être une faille chez l'adversaire, ou. Enfin, je pense que c'est plus le flair dans ce sens-là que. Il y a des moments de grâce. T'as des moments quand t'es à l'ouverture. Enfin, moi, j'ai vécu ça à l'ouverture. J'ai des moments, je te promets, c'est dangereux d'ailleurs. Tu te dis, je suis intouchable. Ah ouais. Il y en a pas un qui m'attrape. De temps en temps, t'as des moments de grâce en me disant. Et ça fait partie un peu de la confiance. J'ai jamais eu ça au centre. J'ai toujours été mort de trouver au centre. Parce que manquait 20 mètres sur les cannes, parce que j'avais. Heureusement, j'avais Philippe à côté de moi. Et merci Philippe. Tu vois, d'un côté, parfois l'ouvreur de l'autre, et que ça peut m'avoir aidé. Ça a été une preuve de confiance phénoménale de Jacques, qui l'a fait un peu par défaut, parce qu'il fallait un buteur. Donc, on a poussé des petits gros au centre, et puis on a mis Cambé ou un buteur, etc. Et puis ça faisait la rue Michel avec Philippe, et c'était pas toujours complémentaire, mais on s'en sortait bien. Mais non, alors pour répondre à ta question, non. J'ai la prétention de te dire que j'ai l'impression d'avoir eu des moments de grâce à l'ouverture où je me sentais intouchable, jamais au centre. Et voilà. Et non, mais pour revenir à ce que dit Franck sur le moment de grâce, moi ça m'est arrivé plusieurs fois sur le terrain aussi de savoir que, par exemple, à Bordeaux, il y a 2 ans, où je rentre 10 minutes avant la fin et qu'on est mené de 1 point et qu'à la 90e minute, je mets le drop 35 mètres en face des poteaux, ou à Perpignan, la dernière action du match, où je mets le drop aussi de la gagne. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai cette. Enfin, je sens que sur le terrain, à ce moment-là, je suis persuadé que je vais le mettre.